ne pas si je suis Maintenant, les personnes qui étaient dans Katia Mainde, en tout cas, la précision bien, pour Randa qui a un dengue et son kenditi. C'est une information que nous avons apprise ce matin. Faisait état d'un véhicule. Tout au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'était un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle communément Ketch qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors, à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps, s'il y en a. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies, on dit que il n'y a pas eu de gens tout autour, donc enfin là où l'accident a eu lieu. Donc on n'a trouvé personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde est aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont sous les eaux donc, du fleuve Congo. Que soit qui information, Yas, minibus Yas, mettant au commun, au soin d'un pêcheur, ils disent que les allées minibus, ils allaient plutôt voiture au babenga à Ketch. Ils ont également un béba, et les qui, et continuent à Kati, il y a fleuve n'a pas tout à Kati. Alors, information, tous les babies à Pembeniawa, jusqu'au Koti, puis et d'indignons sont n'a pas tout à Kati. Alors, allô Kendo. Autant là-bas, service compétent, au Bagosset Sabiso, là-bas, en Gen, pour nous, total en Dénini, tout le monde a mis sa bande de Koyo,
badindi na kati ya mai. Voilà, eza ma mingi pona biso. Ba famille na bango, ba ebi pété, moyen pe ya ko identifier mutuka. Eza te immatriculation et pesamité, donc eza pesa passi mingi. Ba pêcheur pe ba moni ba moni identification te. Ba moni ka moi jante et puis nandambo ya par choc parce qu'avant mutuka ko tala mai e betaki. C'est une information que nous avons apprise ce matin qui faisait état d'un véhicule qui, au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'était un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle comme une maquette qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps, s'il y en a. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies, on dit que il n'y a pas eu de gens tout autour, donc enfin là où l'accident a eu lieu. Donc on n'a trouvé personne.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde est aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont sous les eaux donc, du fleuve Congo. Que soit qui information, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Alors, l'information Moutouka exaté immatriculation et pessamité donc les a pas si mingi ma pêcheur peut moni ba moni identification tep ba moni car moi jante et puis nandambo ya par choc parce qu'avant moutouka kotalamai et betaki